Allez, mon bonhomme. Hey, j'espère que vous allez bien. Tu dis bonjour le moche. Il est sorti sans bonnet. Il fait un froid de canard et il a absolument pas voulu mettre son bonnet. 8 ans et déjà rebelle. Tu dis rien? Rien. Bon, il y a un petit soleil, hein, mais je t'avoue que ça pique un petit peu. Hein. Là, on va. Là, quand je te filme, on est samedi matin. On file à. Je pense que je vais aller à Chaussée. Hein. Pour lui acheter des bottes parce que les siennes datent de l'année dernière, sont vieilles et puis que voilà, là j'ai vu il y a des bonnes petites promos donc on va aller voir pour lui trouver une petite paire de bottes et puis là j'y vais ce matin parce que cet après-midi il va y avoir un monde fou. Il y a Vita qui est la chanteuse Vita qui est en dédicace à Grand Art, c'est le grand centre commercial à côté de chez moi. Donc cet après-midi, c'est même pas la peine. La dernière fois, il y a Black M qui est venu. Je travaille corps à Intersport. Et t'es une place sur le parking. Il y a des gens qui venaient se garer sur le parking du magasin pour aller à Grand Art. C'est en face, en fait, il y a juste une route et puis un passage piéton qui, voilà, qui sépare les choses. Mais voilà quoi. Donc j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, c'est une journée un peu de rush. Je sors une nouvelle collection aujourd'hui, donc j'ai déjà tout préparé. Là en rentrant, j'ai juste ma vidéo à tourner et à vous la sortir. Donc c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique pour voir ce que je peux vous proposer et à me passer une petite commande. Là en ce moment ça va, hein. Franchement je suis dans le bon mood. Et j'ai une super nouvelle en fait parce que je suis en contact avec la chambre de commerce et d'industrie dont je dépends. Et en fait, ils cherchent des gens pour donner des cours concernant les réseaux sociaux. Donc moi, indirectement, c'est ce que je fais, mais je suis pas. Voilà, j'avais fait une formation de community manager il y a quelques mois, donc voilà. Mais en fait, c'est plus pour parler de mon expérience à moi en tant que chef d'entreprise et l'utilisation des réseaux que je peux en faire. Donc c'est plus pour parler de ça. Donc je vais voir, j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour en discuter avec la personne qui s'occupe de ça. Parce que je suppose qu'on doit être plusieurs à postuler. Donc c'est rémunéré, donc ça c'est plutôt cool. Ça ajouterait une petite branche sympathique à mon CV. Je vais pas te mentir. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Je vais passer par l'arrière. Ça va m'éviter le grand rond-point. Et donc ouais, ça c'est un petit projet assez sympa. Bon, ça serait pas tout de suite, hein. Ça serait dans quelques mois. Ah, tu me sens plus longtemps la dernière minute. Oh, je déteste conduire, punaise. Je te jure. Je déteste conduire. Bon, là, fatalement, Grand A, c'est à 10 minutes à pied de chez moi. Hein. J'aurais pu prendre mon bus et puis y aller. C'est vraiment la grosse flemme. Donc voilà, sinon, bah, Sean devait venir avec nous pour s'acheter un blouson. Et puis, finalement, il en a trouvé un sur JD Sport. Sur JD site internet, soldé et tout, 60 balles. Donc ça lui plaît. J'en étais dingue. Moi, faire les magasins avec Sean, c'est un peu compliqué. Ça me rappelle quand je faisais les magasins avec leur père. Il n'y a rien qui lui plaisait. Il essayait 10 000 trucs, il n'y a rien qui allait. Et puis après, il achetait. Et puis finalement, il fallait ramener parce que ça lui plaisait pas. Enfin, donc Sean, il est un peu comme ça. Donc là, je craignais de devoir passer toute la journée avec lui dans plein de magasins pour trouver sa doudoune. Mais bon, il l'a trouvé, moi c'est très bien. Alors ils m'ont promis une livraison super ultra rapide début de semaine prochaine. J'y crois pas trop, surtout que le statut de la commande n'a pas encore bougé. Donc on verra bien, hein, en attendant. Quand je bossais au magasin, on avait des super promos, surtout sur les doudounes North Face. Je lui ai dit plus d'une fois, passe en essayer une au magasin. Nous en plus, on avait une réduction en tant qu'employé, donc franchement, la doudoune, elle serait revenue à 50 balles. Beau truc quoi. Elle n'a jamais voulu se déplacer. Et là, maintenant, je peux avoir une doudoune et là que je bosse pas, il y a une doudoune. Enfin bref, bon, bah, j'arrive dans la zone et puis bon, je te filmerai un petit peu. Dans le. De toute façon, on va pas faire beaucoup de magasins. Si je trouve tout à Chaussée, je fais que Chaussée et après je rentre chez moi. Tu l'as bien fermé? Je montrais un petit peu à quoi ressemble Grand A. Grand A. C'est le magasin.
J'aurais bien envie de prendre ces petits chaussons pour Siam. Attends, Silou, tu m'attends? Je trouve ça trop choubi. Je sais pas s'il le mettra. Tu crois qu'il le mettra? Oui. C'est vrai? Ah, Silou, ça te rappelle rien? Viens voir. Ça te rappelle pas celle que tu as eu l'année dernière? Oui. Mais en fait, celles-là, elles sont bien. Mais tu vois, il y a le gros lacet. Donc, on va falloir qu'on évite le gros lacet, c'est mieux. Non, viens par ici, là. On n'est pas venu pour acheter des baskets. Regarde, les bottes, elles sont ici. Regarde celle-là. Tu aimes bien ceux-là avec les scratchs? Bah ouais, mais le problème de ces baskets-là avec le scratch, c'est que le scratch, tu vas craquer le scratch très vite. Regarde en dessous là-bas. Ouais, mais en fait, celle-ci. Celui-là, parce que dans le banc, celui-là, il est super gros. Le truc comme ça, là. Et là, il est tout petit, du coup, ça devrait la faire. Ouais, mais comme tu sais, regarde celle en bas, les jeunes. Ouais, celle-là. Là. Ouais. Oh, oui, elles sont belles, hein? Ouais. Bah, il va falloir qu'on commence à essayer, mon boudin. Ça court bien? Bon, c'est pas du tout le choix que j'aurais fait, mais bon, c'est celle qu'il aime. Bon, elle te plaise ou pas? Est-ce que tu veux qu'on aille voir? Ça, on va aller regarder là-bas au miroir. Viens. Regarde. Ouais, bah, on verra après. Regarde. Tu les aimes bien? Oui. Tu veux celle-là? Oui. Bon, ouais. Que dire? Il veut celle-là. Tu veux celle-là? Oui. Je te prends en photo? Allez, viens, je vais te prendre en photo. Rien à faire, il veut garder celle-là. Donc bah là, je vais chercher. Oh, regardez, ils sont beaux ceux-là. On cherche des chaussons pour Siam. Regarde avec le Père Noël. Et du coup, les Simpsons, on avait dit quoi? Non, mais il va pas prendre les Simpsons. T'arrives pas. Les chaussons Simpson, c'est très bien, mais t'arrives pas à marcher avec. Regarde celle-là. Elles sont jolies, celles-ci. Hein. Elles sont très sympas, celles-ci. Non, mais lui, il veut des chaussons. Ça fait du bien, c'est bien, mon cher. Au début, je lui dis, je vais aller lui prendre des espèces de charentaises, mais. De toute façon, ils sont tous à 14 balles, donc je vais pas aller prendre des Pumas, des Dimes. Non, bah écoute, on va taper. Donc, il m'a dit du 41. Donc, bon, choisis mon petit cœur. Lesquels je lui prends? Choisis. 42. Il y a beaucoup de trucs. Elles sont rigolotes, celles-là, regarde. Toudou. Avec la moustache. Il faut que j'arrive à lui trouver du 41. Il fait des trucs que si tu y passes dans l'avion ou quelque chose comme ça. Tiens, on va aller passer là-bas au passage piéton parce que là il y a trop de voitures. Oh, attends. C'est bon. Putain, ça pèle, hein. Bah, ça pèle, hein. Ça veut dire qu'il fait froid puis t'as pas voulu. Tiens, reviens pas que t'as pas voulu prendre ton bonnet. Il est aussi entêté que ses frères. Vas-y, mets-moi ça sur la tête. Il voulait aller jouer au jeu. Il y a des jeux extérieurs. J'ai fait ouais. Bah non. Bah non. Pourquoi il m'a dit le soir, il va allumer les lumières. En fait, ça ressemblait plus à un sapin. Ah bon? C'est un cadeau de Noël de sapin. Enfin, du sapin. C'est vrai. Okay. Là, je veux juste qu'on passe chez Yves Rocher. Parce que je vais prendre un petit cadeau pour sa maîtresse. C'est bon? On va à Kiabi. Enfin, chez Kiabi. Ils ont refait tout le magasin. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. C'était bien ancien. Hein. Ils ont fait tout le magasin. Ouais, ils ont refait quand je suis venue la dernière fois. Ils avaient fait quoi? Ils avaient refait tout le magasin. Oh, gars, ils sont rigolos les petits pyjamas là. Ils sont beaux, hein? Petits pyjamas pour l'hiver. Regarde, ils sont là. Pas trop long. On va aller faire un tour. Moi, je voulais te prendre des chaussettes. Regarde, il y a des petites chaussettes, mais tu vois, chaussettes hautes comme ça. Et là. Non, non, regarde. Au moins, ça, c'est des bonnes chaussettes là pour l'hiver. Regarde celle-ci. 31, 34. Ils sont beaucoup. Ouais, mais c'est pas des chaussettes hautes pour mettre sous des pantalons, tu vois. Celles-là, elles sont bien. Ah, ou celle-là, regarde.
Mmh. Bon, celle-là, elle te plaise pas. Non, regarde celle-ci. Mmh. Avec les petits. Regarde, tu vois. Oui. Repart, elles sont bien épaisses en plus. Du coup, on s'est décidé sur. Sur celle-ci. Non, mais ils ont tout changé. Donc, du coup, tu vois, c'est. C'est beaucoup plus espacé. Je pense qu'ils ont, ils ont pas dû finir de mettre. Devant aussi. Devant, c'est pour bataille, ça. 7, 8 ans. Ils ont pas dû finir d'aménager, je pense. Parce que c'est quand même super vide. Oui, je sais, mais il n'y a rien d'intéressant là pour toi. Il y a plein de trucs où il n'y a pas encore de prix. Là, 7 ans, on a 8 ans pour un pull. On a plein de pulls. On était venu pour des chaussettes et puis. Ah bah sinon, on ça alors. Et puis, il me faut des petits t-shirts à manches longues. Gare Silou, là des petits t-shirts à manches ici sont à 3 balles. Oh, franchement, ça vaut grave le coup quoi. Oui. Ça vaut même pas le coup, tu vois, de les acheter sur Vinted parce qu'avec les frais de port. Tiens, choisis-en hein, de celui qui te plaît en 8 ans. Tu vois, le temps que tu les achètes sur Vinted, il y a 3-4 euros de frais de port. T'as trouvé un 8 ans ? C'est écrit 8. Oh, rock'n'roll, il est beau celui-ci. Hein. Regarde, c'est écrit 8 là. Ouais, et ceux-là, tu vois, ils sont. Celui-là, il est à 4 euros. Regarde celui-là, je le trouve joli aussi celui-là. Regarde. C'est soit celui-ci, soit le marron. Regarde, ouais, le marron, il est jaune. Hein. C'est 4 ans et c'est 6 ans. Mais non, mais regarde, cherche, regarde. Bon, là, 12 ans, fatalement, il n'y a plus. Mais ici, 10 ans, mais celui-là. Celui-là, c'est quoi comme taille? Ah, c'est un 8 ans. Tu vois? Ouais, ils sont à 3 euros. Tiens, vas-y, déplie-le. Tu peux voir si c'est un 8 ans. Bah oui, c'est un 8 ans. Qui en fait? Et il est joli, celui-ci, regarde. Regarde le marron. Le marron, il est très chouette, j'aime bien. Ah bon? Tiens, les chaussettes. Les chaussettes, je n'ai pas tes chaussettes. Tu les as mis où? J'étais pas là. N'importe quoi. Tête en l'air, va. Il est joli, celui-ci. Parce que celui-là, il est joli, mais. Fantastique. Mais regarde, il y en a. Fantastique, maman. Regarde, il y en a plein d'autres là qui sont sympas. Regarde celui-là avec le cosmonaute. Oui, ben, j'ai compris. Lequel, du coup? Parce que regarde celui-là. Pour lequel? Je suis désolée, j'ai cette habitude de tourner mon téléphone. J'ai cette habitude de tourner mon téléphone. 666. Garde celui-là avec le dino. Silou. Garde celui-là avec le dinosaure. Du coup, on prend lequel, celui-là, celui-là ou celui-là? Bon, on va prendre le marron, puis on va en prendre un autre. Ah, celui-là, alors. Tu veux celui-ci? Tu en veux pas un tout un beaucoup plus simple? Il y a des pulls bien sympas, là. Bon, ça, ça plaira pas à Chen. Il y a S-Cube dessus, mais tu vois, t'as ceux-là, les gens, là. Ils sont à 20 euros, moins 40. Je sais pas s'ils mettraient... Qu'est-ce qu'il y a, toi, pipelette? CH Smart. Bon, allez, on a fini. Tiens, viens. On va juste passer au rayon. Ils font plein de trucs qu'ils faisaient pas avant. Des marques, Adidas, tout ça. Je ne vais pas souvenir que Kabif, c'est des marques. Là, je vais juste passer au rayon sous-vêtements pour moi. Puis peut-être me prendre un pyjama pour cet hiver. Et puis ce sera bon. Alors lui, il est intrigué depuis ce matin, il entend des alarmes et ça, je sais pas, ça le stresse, c'est ça? C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure? Ouais, ça le stresse. Allez, viens mon doudou.